On est toujours sur la route de Bodrum avec notre couple d'Allemands, Ingrid et son mec Joachim, qu'elle a rencontré il y a 6 mois. Enfin, à leur âge, on va plutôt dire son compagnon. Bon, comme d'hab, on n'échappe pas aux éternels contrôles de police. Et on arrive à Bodrum de nuit. L'heure parfaite pour boire quelques bières, bien dîner et apprendre à se connaître. On en apprend plus sur la vie de Joachim. Le mec a kiffé, quoi. Il est plutôt solide. C'est le premier mec que je rencontre qui a dû voir plus de pays que moi. You do it right. You purchased all the Transalps, okay? Very zero good. Electronic very, power very, bikes. Very good bike. And take the money for the trip, not take the money buying 20,000 euro a bike. Okay? 1,500 with the case. Did you bought your motorcycle for the trip or did you had it already, this one? She was close to give it up. Okay. Yes, because in the 80s, it was in my mind I had to go to Isfahan. And then there was no time, and my husband, he would not like to drive so long. So 40 years old dream since the 80s. We will do this. C'est assez amusant parce que la dame, en fait, elle voulait faire l'Iran depuis qu'elle était depuis qu'elle avait 20 ans à peu près. Donc du coup, lui, c'est un ancien pilote de l'armée allemande qui a un peu vadrouillé partout. Il a rencontré cette dame et ils ont décidé de faire la Turquie ensemble. Donc ils étaient assez mignons tous les deux parce que déjà c'était un jeune couple. C'était un peu notre papa et notre maman. Et c'était intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'ils voulaient voyager, même à cet âge-là. Going biking since 40 years. 40. 4-0. I wasn't even born. So you're quite a big traveler. Well, you're a pilot, so... You have to travel once a year somewhere to be educated, to meet people. Dalai Lama said that. But why do you think like people should travel? I'm 58 years old and I spent almost 28 years out of my country. 13 years Africa, Turkey, Middle East, South America. I believe if the people meet each other, we are a big step ahead of freedom. I think it's important to travel, to meet people, to meet different cultures. And you will see even in Iran, they're very friendly people. Very, very friendly. Yeah. Don't take too much kilometer. Go to the countryside. Go to the people here and to small villages. Do you know how many countries you've been? Almost, did you count? Almost. Put it in that way. A lot. C'est assez marrant comme situation, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de voyageurs. En général, quand tu croises des voyageurs, c'est des jeunes backpackers ou alors c'est des locaux qui vont de A à B, ou quand c'est des vieux, c'est plutôt des hippies, quoi. Alors, moi je rentrais, j'étais comme ça, j'étais tranquille. Le mec me dit, tu veux un kebab? Moi je dis oui, parce que moi j'aime les gens, j'aime la vie et surtout j'aime les kebabs. We are the best in the world. In the world. In the world. Not in Turkey, not in Bodrum, in the world, yes. Ok. Je suis donc dans le meilleur kebab du monde. I give you guarantee, you don't like, you don't pay. Red sweet pepper, potato, carrot, green sweet pepper. C'est du génie. Just a little hot. Ok. Bon, il y a peut-être moyen que ce soit effectivement le meilleur kebab sur terre. 27 years I'm selling nearest kebabs, yes. Very big. This kebab 250 kilos. 250 kilos? Yeah. And you sell it in one day? Maybe not enough. Tu sais, c'est pas comme quand quelqu'un te dit mon fils c'est le plus beau. Là où tu dis bah non, ton fils il est moche, il a une gueule de poisson et puis en plus il est con comme un manche à balai. Par contre, quand un mec te dit mon kebab c'est le meilleur. Mais je crois qu'il va en faire 6. Half kilo. Un kilo, là j'ai 500 grammes de plaisir en plein pour mon estomac en direct de Bodrum, Turquie, 75-0018. Je crois que quand tu m'as demandé 5, je crois que j'ai commandé 5 kebabs sans faire exprès. Ah, t'es complètement fou. Meso Donner. Super. Incroyable. C'est bien. C'est combien du coup pour ces 9 tonnes de viande? How much is it? Je pense sincèrement à manger le meilleur kebab de ma vie.
Je regrette pas une seule seconde d'avoir acheté 5 kebabs d'un coup. Désolé la Grèce, désolé la France, désolé l'Algérie. L'Algérie font des kebabs ? Je sais pas, mais la plupart des mecs qui te vendent des kebabs en France sont algériens, donc... C'est la Turquie qui gagne. Le soleil vient de se lever. Ouais, c'est aussi ça l'aventure. Voilà, on est encore à Bodrum et du coup, on a mis les motos là, 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 pour traverser la mer et ensuite aller à Marmara. Et là, il y a Morgane juste là. On a réussi aussi à choper des combinaisons de plongée qui ne nous serviront pas à plonger, mais qui nous serviront à foutre sous nos vêtements quand on va conduire la moto pour rester au chaud. On suit notre couple d'Allemands jusqu'à Marmara, l'occasion de faire encore quelques kilomètres ensemble. C'était une rencontre super intéressante. Si Joachim est la preuve qu'un voyageur ne s'arrête jamais, Ingrid, elle, est la preuve que les hasards de la vie peuvent nous emprisonner, mais qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à bouger. And if you need something, see you. I will be back on the 9th of November. And we fly with the aircraft all over the world, even spare parts, whatever, something is maybe nearby. Joachim nous conseille de suivre la route côtière jusqu'à Casse. Ça nous fait 2 jours de détour. Mais du temps, c'est la seule chose qu'on a en rab. La tortue, la plus métal de tous les temps. On la garde ? La tortue ? Ouais. Elle aurait la vie la plus ouf de toute l'histoire des tortues, je pense. Oui ! T'as perdu ton âme d'enfant, toi. Moi, je l'aime bien. On trouve des endroits sympas où camper, avec une vue plutôt cool. C'est la dernière fois qu'on verra la mer avant la fin de notre voyage. Maintenant, on se dirige vers les montagnes et les hauts plateaux anatoliens. Et justement, on suit les conseils de Joachim. On quitte les grandes routes et on s'aventure dans les villages. Ils doivent pas avoir l'habitude de voir des motards par ici. De quoi ? Ah, il a tout mis sur la balance en même temps ? En fait, c'est marrant, ici apparemment l'économie c'est le lait. T'as tout le monde qui vient avec sa petite cruche de lait dans la cahute de Michel Lait. Ils arrivent, ils déchargent, ils vident tout là-dedans. Joachim avait raison, peu importe où on s'arrête, on est toujours super bien accueillis. Et on boit des mètres cubes de thé. Grâce à nos téléphones, on arrive à se faire comprendre des locaux. Je vais en Inde avec mon ami. Il dit quoi ? Asphalt. C'est quoi notre la route principale ? La route sommet. Pour vous rencontrer ? On avait checké, En général, ils sont super étonnés par notre histoire. En même temps, c'est normal. Izmir, Bodrum, Nahir. Eux nous expliquent que la plupart n'ont jamais voyagé, même pas dans leur propre pays. On passe notre vie dans les stations essence. On a trouvé le KFC. Ici, ils te vendent les poulets sur le bord de la route. Plus on s'éloigne de la mer, et plus les températures baissent. Ça fait déjà un mois qu'on a quitté la France. Et l'hiver ne va pas tarder à arriver. Après quelques jours de route, on arrive au centre de la Turquie, dans un des endroits les plus beaux que j'ai jamais vus.